Bonsoir, bonsoir chers amis, bienvenue au Théâtre du Châtelet, bienvenue à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Notre concert est donc consacré à Shostakovitch, Dimitri Shostakovitch, l'un des trois grands compositeurs russes du XXe siècle, avec Prokofiev et Stravinsky. Alors bien sûr, j'adore la musique de Stravinsky et celle de Prokofiev tout autant, mais Shostakovitch, il tient une place spéciale dans mon cœur. Parce que, jeune enfant, alors que j'étudiais la musique, c'est grâce à Shostakovitch que j'ai découvert la musique du XXe siècle. J'avais étudié, j'avais écouté les classiques, les romantiques, Chopin, Schubert, Brahms, Beethoven, Mozart, Bach, mais c'est tout à fait par hasard, un jour, à la radio, que j'ai entendu une symphonie, ce n'était pas la 9e symphonie dont nous parlons ce soir, une symphonie donc qui était signée Shostakovitch. Et je me suis pris de passion pour ce compositeur. C'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'aimais la musique d'un compositeur vivant. Et j'en ai tellement écouté que ma mère a fini par me donner le surnom de Shosta. Shosta, c'est l'heure d'aller manger. Shosta, il faudrait peut-être se coucher maintenant. Et ça a été mon surnom pendant au moins 3 ans. Alors, je ne vous parle pas de sa mort. J'étais petit, mais ça a été pour moi un très grave événement. J'ai décidé de ne m'habiller plus qu'en noir pendant au moins 1 mois. Mais ce compositeur, il faut maintenant que je vous en parle. Shostakovitch, né en 1906, il est très bon pianiste, c'est un compositeur extrêmement prolifique. Il a beaucoup composé, 3 opéras, 3 ballets, 50aine de musiques de théâtre et de musiques de film, 6 concertos, beaucoup de pièces pour piano solo. Il était un excellent pianiste, dont le monument des 24 préludes et fugues, comme Bach. Et puis, il y a 2 grands massifs dans son œuvre, 15 quatuors à cordes et 15 symphonies. Mais parmi ces 15 symphonies, la 9e symphonie, celle qui nous intéresse ce soir, est presque la plus brève. En effet, une symphonie chez Shostakovitch, c'est 45 minutes, 1 heure, alors que la 9e symphonie ne fait que 25 minutes. Et elle a une histoire un peu particulière, cette 9e symphonie. C'est qu'elle est écrite juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On imagine une symphonie grandiose, triomphale, énorme, héroïque, le peuple soviétique vient de vaincre les nazis. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde est décontenancé, éberlué, car voici ce que l'on entend le soir de la création de la 9e symphonie. Imaginez la réaction devant ce début léger, pétillant, humoristique. Quoi ? La guerre est finie ? 20 millions de morts du côté du camp soviétique ? Et la réaction de Staline est très vigoureuse. La symphonie, d'ailleurs, ne sera plus rejouée avant au moins 10 années, c'est-à-dire après la mort de Staline. Oui, ce qui frappe tout d'abord, c'est l'humour. Mais évidemment, la question, comment fait-on l'humour en musique ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Et vous avez vu que tout de suite, ce premier mouvement a commencé par une sorte de
parodie. Je précise, premier mouvement, parce que la symphonie est brève, elle ne fait que 25 minutes et pourtant elle contient 5 mouvements. Donc, premier mouvement avec un premier thème plutôt parodique qui imite en quelque sorte la symphonie classique, thème donné par les cordes. On le réécoute. Alors, je ne dis pas que ça pourrait être un thème signé Haydn ou Mozart, mais enfin, il en a un tout petit peu le contour, avec ce côté piqué, gracieux, et le thème exposé au violon. Mais imaginons que je mette un accompagnement très typique du XVIIIe siècle. Et là, vraiment, ça fera Mozart. Attention cependant, si vous écoutez bien, il y a de drôles de notes et puis des trilles. C'est du Haydn, si l'on veut, mais du Haydn à la russe. Et puis, il y a ce partage du thème entre les violons et puis après, la flûte qui semble en quelque sorte se moquer. Donc, une parodie de symphonie classique. Mais tout de suite, un second thème qui n'est pas du tout de même nature. Le premier est donc plutôt classique, aux cordes. Et voici maintenant qu'entre la caserne. Le second thème est militaire. Pourquoi est-ce qu'il fait militaire ? D'abord parce qu'il y a les principaux instruments qui renvoient à l'ambiance militaire. Tout d'abord, l'instrument par excellence de la musique militaire, la caisse claire. Renaud, un peu de caisse claire. Merci beaucoup. Il y a aussi la timbale qui imite en quelque sorte le pas de marche des soldats. Je sens que Jean-Claude n'a pas tellement l'esprit militaire, finalement. Ah, oui, et puis il y a aussi, vous savez, ce qu'on appelle un fifre, quand il y a des défilés militaires. Le fifre, là, en fait, c'est le piccolo, l'instrument le plus aigu de l'orchestre, joué par Nels et accompagné, si vous écoutez bien, par quelques tintements du triangle joué par Nicolas. Et enfin, un petit coup de clairon. C'est pas triste, c'est un gros clairon. Mais enfin, tout est bien militaire. Et d'ailleurs, vous allez remarquer un humour très savoureux, c'est que l'un fortissimo fait avec le thème proprement dit, qui est très délicatement, plutôt piano, par le piccolo, ce que j'ai appelé. Écoute le thème militaire. Il y a déjà là l'un des secrets de Shostakovitch. Entre dans la symphonie des choses qui n'y avaient pas auparavant leur place. Dans la symphonie romantique, on est noble, on est élevé, ça se passe très mal et on exprime à quel point ça se passe mal, mais avec dignité. Tandis que là, la symphonie vient à peine de commencer, qu'on a déjà de la musique militaire et Shostakovitch d'enchaîner avec un troisième motif qui, lui, évoque irrésistiblement le cirque avec les deux clarinettes et puis le piccolo qui se moque avant que le clairon ne reprenne la parole. Écoutons le motif de cirque. L'humour vient du rapprochement de trois tonalités différentes. Qu'est-ce qu'on appelle une tonalité ? Une tonalité, c'est une gamme, c'est une échelle. Le départ, c'est les clarinettes en sol. Et maintenant, le thème du piccolo, la deuxième partie du thème, est en fa dièse. Et le coup de clairon en si bémol. Donc sol, fa dièse, si bémol.
on réécoute pour avoir le plaisir d'écouter les changements de tonalité. Arrivé à la fin de l'exposition, il y a un passage qui me plaît beaucoup parce qu'il use de changements très rapides d'instrumentation. Et ça aussi, c'est un procédé d'humour. Il y a d'abord les bois, pro-yop-pop-po, et les cordes qui répondent, pro-yop-pop-pom, les cuivres, pom-pom-pom, et les bois avec les pids, pro-yop-pop-pom-pom-pom. Ce qui donne à l'orchestre. Fin de la première partie. Toute cette première partie, on appelle ça l'exposition, sera donnée deux fois, exactement comme dans une symphonie classique. C'est la seule fois dans toutes les symphonies de Shostakovich où on a ce qu'on appelle une reprise. Et le fait de reprendre exactement la même musique, ça c'est plutôt typique des classiques. La seconde partie utilise des procédés encore plus caractérisés. C'est de l'humour, mais de l'humour qui va vers le grotesque. En effet, nous allons réécouter les thèmes de la première partie, mais encore plus déformés, je dirais même travestis. Par exemple, le thème du départ, si élégant, va maintenant devenir ceci à tout l'orchestre. Oui, ben heureusement que je vous ai dit que c'était le premier thème, parce qu'au fond, vous ne l'auriez pas reconnu, et c'est bien normal. Le premier thème, souvenez-vous, c'était simple, au violon, piano. Or là, nous venons d'écouter dans le grave de l'orchestre, par les basses. Le même thème est passé de l'aigu au grave et il est mis à l'envers, comme si on le lisait à travers un miroir. Mais c'est le même thème. On avait un arpège qui descendait, une petite colline. Et maintenant, nous avons un arpège qui monte. Et maintenant, une petite vallée. On le réécoute, ce thème déformé aux basses. Quant au second thème, vous rappelez le piccolo dans l'aigu. Il va devenir maintenant par tout l'orchestre. Quand les thèmes ont été suffisamment transformés, broyés, vous avez remarqué que ça devient presque inquiétant. Hein. L'ironie devient caustique, sarcastique, presque méchante. On avait commencé par rire, mais ça commence à se gâter cette affaire. Mais pas pour très longtemps, puisqu'arrive maintenant la troisième partie du mouvement, qu'on appelle parfois réexposition ou récapitulation. Ça veut dire la même chose, ça veut dire que nous réentendons les thèmes de la première partie. Oui, mais Shostakovich a décidé de varier les plaisirs. Ce premier mouvement doit être pétillant. On ne peut pas entendre exactement la même chose. Par exemple, le premier thème, qui était joué doux au seul violon, est maintenant joué fortissimo par toutes les cordes. Quant au second thème, le thème militaire, jusque-là il était confié au piccolo de Nels, et bien maintenant il passe au violon d'Hélène, c'est le militaire au violon. Et le troisième motif, celui que j'ai appelé le motif de cirque, qui était aux clarinettes avec le piccolo qui se moquait, eh bien maintenant, il est confié aux trompettes et c'est le violon solo qui va se moquer. C'est d'ailleurs les trompettes qui ont le dernier mot dans ce mouvement. Elles reprennent une dernière fois quelques mesures avant la fin du mouvement, le thème principal, ce qui donne. Mais là,
J'ai isolé le thème. Les trompettes ont joué toutes seules. Dans la réalité, elles le feront avec tout l'orchestre. C'est le tutti général qui termine ce premier mouvement. Ce qui donne... Je pense que maintenant, nous allons pouvoir écouter d'un bout à l'autre le premier mouvement. Je vous l'ai dit, ce premier mouvement a une énergie particulière. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas lié à toutes ces musiques de films qu'a écrites Shostakovich. Shostakovich disait que c'était sa meilleure assurance vie, que quand il était menacé par les autorités, on se rappelait qu'il était quand même le meilleur compositeur pour écrire la musique des films à la gloire de Staline. D'ailleurs, il est un peu né avec cette histoire de cinéma, puisqu'il a accompagné pendant 2 ans pour gagner sa vie des films muets. Du film muet, je retrouve l'énergie, le contraste, la caractérisation des éléments. Mais attention, s'il y a l'énergie du film muet, tout ça est mis dans la forme d'un mouvement de symphonie classique. Nous l'avons vu, la première partie où nous écoutons les thèmes principaux, nous écoutons même 2 fois cette première partie, la partie centrale avec les variations, les distorsions, les transformations des thèmes, et puis enfin la réexposition, on l'a vu, légèrement modifiée. Donc, du cinéma muet, mais mis dans une forme de symphonie classique. Le premier mouvement de la 9e symphonie par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
De l'esprit de l'humour. On pourrait presque intituler ce mouvement « Les visages de l'humour ». Mais avec le second mouvement, je vous ai dit tout à l'heure que la symphonie en comportait 5, donc avec le second mouvement, nous changeons totalement de propos, de climat, d'expression. C'est un mouvement de la solitude. Il ne dure pas très longtemps, mais en même temps, il me semble qu'on y respire quelque chose d'une étendue infini, je sais pas, j'imagine les steppes ou la toundra. On a l'impression que le temps s'est arrêté et que, s'il s'agit de penser au compositeur Shostakovich, qu'il est tout seul. Mais la solitude, elle est incarnée par un instrument. Cet instrument, c'est la clarinette. Je vous propose d'écouter le thème, le premier thème, si beau, si calme, si mélancolique, joué par la clarinette. Nicolas Solo. Comme c'est beau, presque un peu oriental, vous ne trouvez pas? Alors là, vous avez entendu la clarinette toute seule. Dans la réalité, elle est accompagnée de quelque chose de très mystérieux, quelques notes des basses, violoncelle et contrebasse, mais seulement quelques notes. Vous savez, quand on est triste, on est en quelque sorte enfermé dans ses problèmes. Et cet enfermement, je pense qu'il a son équivalent musical grâce au violoncelle et aux contrebasses, qui jouent en pizzicato toujours les mêmes notes. Je vais vous les montrer de mon piano. Ces notes, c'est Fa, Si, Ré. Alors, elles ne sont pas toujours dans le même ordre. Parfois, c'est Fa, Si, Ré. Parfois, c'est Si, Ré, Fa. Parfois, il y a juste Si, Ré. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, à une phrase dont on pourrait changer les mots. Quand on dit, par exemple, « Comment tu vas ?» Mais on peut dire « Tu vas comment ?» ou « Comment va ?» On peut avoir deux mots, trois mots, dans l'ordre qu'on veut, si on veut. « Comment vas-tu ? » ?»« Comment tu vas ?»« Tu vas comment ?»« Comment va ?» Il y a la même chose ici. Les notes ne sont pas toujours dans le même ordre. On essaye avec l'orchestre. Trois notes, on les répète. Et maintenant, seulement deux notes, les deux dernières. Encore deux notes. Maintenant quatre notes, Fa, Ré, Fa, Si. Et de nouveau les trois notes du début. Et ce système de basse bloquée, enfermée, on le retrouve pour le second thème du mouvement, celui qui est donné par les cordes. Les basses font toujours ces deux notes. Et sur ces deux notes bloquées, et sur ces basses bloquées et ce gémissement des cordes, nous entendons la clarinette et le hautbois qui se plaignent doucement. Et petit à petit, la tristesse va arriver à une sorte de crise de désespoir. Thank you.
Heureusement, notre piccolo Nels est là pour nous consoler. À la fin, c'est lui qui va reprendre le si beau thème de la clarinette. La solitude de la clarinette devient en quelque sorte la solitude du piccolo, avec les mêmes pizzicato des violoncelles et des contrebasses. Mais voilà, un bel accord en majeur des corps change tout. Le désespoir est terminé et le mouvement s'apaise avec un peu de lumière. Solitude du piccolo. Je vous propose d'écouter maintenant d'un bout à l'autre le second mouvement de notre 9e symphonie. D'abord, une première partie avec le thème de la clarinette, et puis une première montée de désespoir, le retour du thème élégiaque à la flûte, une seconde montée de désespoir et l'apaisement final par le mode majeur et la mélodie du piccolo. Thank you.
On a l'impression à la fin de ce mouvement qu'on va rester pendant de longues heures dans cet état d'émotion, dans cet état de tristesse. Mais voilà, chez Shostakovitch, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a de la joie, tout de suite après, il y a de la tristesse, et que quand il y a de la tristesse, tout de suite après, il y a une joie qui est en quelque sorte proportionnelle à la tristesse qu'on vient de subir. En effet, maintenant, c'est le scherzo. Et ce n'est pas un hasard si le premier instrument qu'on va entendre, c'est la clarinette, c'est-à-dire justement l'instrument qui exprimait dans ce second mouvement que nous venons d'entendre la tristesse. C'est la clarinette qui va lancer le premier rire de ce scherzo. Qu'est-ce qu'un scherzo ? Le scherzo, c'est une pièce rapide, une pièce pleine d'énergie et une pièce plutôt d'humour. Chaque compositeur de la musique classique a un peu son scherzo à lui. Les scherzos de Mendelssohn, par exemple, sont très légers, aériens, féeriques. Les scherzos de Brahms sont plus héroïques, plus épiques. Mais les scherzos chez Shostakovich reprennent un peu la tradition de Beethoven, la tradition de l'humour. Mais chez Beethoven, c'est plutôt un humour rustique. Là, on va voir que c'est un humour un peu étrange, presque un humour hystérique. Ça me fait penser à un petit film qui a été fait peu de temps avant la composition de cette symphonie par un grand cinéaste russe, Eisenstein. Ce film s'appelle Le journal de Gloumov et ça montre des clowns qui grimacent, qui ont des rictus, qui s'amusent mais d'une manière presque un peu inquiétante. Et vous allez voir que ce scherzo fait entendre comme des éclats de rire, mais des rires presque trop joyeux. Écoutons par exemple plusieurs aspects de ce rire. Je vous l'ai promis, déjà, le rire par la clarinette solo. Extrêmement rapide, filant. Et maintenant, le même rire par l'ensemble des bois. Et enfin, toujours le même rire, mais par l'ensemble de l'orchestre. Le mouvement pourrait s'appeler rire et énergie. Une énergie qui est aussi donnée par le rythme. Le rythme. Le rythme, c'est tellement important pour les compositeurs du XXe siècle et particulièrement pour les compositeurs russes du XXe siècle. Après tout, le XXe siècle, c'est le siècle des machines. C'est le siècle de l'industrialisation. Et ce rythme provoque une sorte de mécanique qui, elle aussi, participe de l'effet humoristique. Alors, premier exemple de rythme aux cordes. Ce même rythme est varié maintenant par les deux clarinettes. J'adore la fin, à chaque fois on a l'impression vraiment d'un éclat de rire. Et vous avez remarqué, nous avons maintenant un nouveau rythme. Une sorte de saltarelle du diable. Ce rythme est repris fortissimo par les cordes. Sur cet accompagnement, nouveau thème. Quand je vous disais que chez Shostakovich, le grotesque n'est jamais très loin, quand Bruno fait ce thème de trompette sur l'accompagnement de la saltarelle furieuse des cordes, j'ai presque l'impression qu'on est maintenant à la corrida. Et ce même rythme, est maintenant repris à la caisse claire, Renault. Le thème de la trompette passe aux basses de l'orchestre. Nous allons écouter maintenant en entier ce troisième mouvement, ce scherzo de la 9e symphonie. Rire et rythme, nous venons de le voir, mais écoutez bien, la fin est très particulière.
Le scherzo a tourné court. Tout d'un coup, transformé en peine. Il faut dire que Yakovitch n'est pas du genre très longtemps. C'est un personnage austère, tourmenté. Facile, son père meurt, il a connu deux guerres mondiales, il a connu le dictateur, celui qui a le pays, Hitler, et puis celui qui a été le maître, Staline. Il a eu des moments de disgrâce, un moment il a craint pour ses comptes qu'il avait toujours à côté de son lit une de simple minimum au cas où il soit arrêté ou déporté. Quand sa musique et lui-même sont tombés en disgrâce, il a fallu que son propre fils, qui étudiait la musique au conservatoire, fasse la critique publique de son père, etc. Shostakovitch n'aime pas tellement les conversations, il n'aime pas parler, il n'aime pas sortir, il n'a qu'une hâte, se remettre à écrire, à composer de la musique, il ne supporte pas le temps perdu. Donc, peut-être que c'est pour cette raison liée à son caractère que la joie chez lui soit se change en tristesse, soit devient tellement joyeuse qu'on n'y croit plus vraiment. En tout cas, nous arrivons tout de suite dans le quatrième mouvement. Là, l'orchestre s'est interrompu pour que je puisse vous parler de ce quatrième mouvement, mais dans l'exécution intégrale de la 9e symphonie, on enchaîne immédiatement. Et on enchaîne avec un moment incroyable, saisissant, un simple dialogue. D'une part, il y a un quatuor de cuivre, quatuor formidable, trois trombones et un tuba, à l'unisson, très fort, comme des seigneurs de la mort terrible, inexorable, et puis, en réponse, un simple basson. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Shostakovitch qui se plaint doucement. Le thème à l'unisson, celui que j'appelle le thème des seigneurs de la mort, est très caractérisé, avec sa note très longue et puis son rebond. Réponse douloureuse du basson, et de nouveau, les seigneurs de la mort reprennent leur unisson formidable, et de nouveau, le basson se plaint. Écoutons.
je vous parle du cinquième mouvement, donc j'interromps la musique, mais de la même manière que dans l'exécution habituelle de la 9e symphonie, le 3e et le 4e mouvement s'enchaînent, eh bien le 4e et le 5e s'enchaînent aussi. Et quel est le premier instrument qu'on entend pour commencer le 5e mouvement, donc le final de la symphonie? Le basson. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était la clarinette qui a commencé le 3e mouvement, le scherzo de la symphonie, alors que c'était la clarinette qui venait en quelque sorte de se plaindre. De la même manière, c'est le même personnage, et je crois que c'est très important dans l'esprit de Shostakovich que ce soit le même personnage instrumental qui, après s'être plaint, finalement se dit « Peut-être que c'est pas si mal que ça, la vie. » Et la vie renaît. Je pense qu'il se soigne lui-même, il relativise tout seul son malheur. Et c'est ainsi qu'un peu hésitant, avec un tout petit peu de lumière revenue, nous entendons le thème principal, toujours au basson, donc, du dernier mouvement de la symphonie. Enfin, c'est quand même étrange pour terminer une symphonie. Bah oui, d'habitude, un final, on y va, quoi. Soit il y a de la force, soit il y a de la vitesse. Patience, tout cela va venir, mais il faut le temps que la vie revienne, le temps que petit à petit, on se console, le temps que l'aube dissipe les tourments de la nuit. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu une spécialité dans les finales de Shostakovich. Ce début un tout petit peu hésitant, où on a l'impression petit à petit qu'un sourire peut se former de nouveau sur le visage triste. Tenez, son œuvre, sans doute la plus jouée, la célèbre sonate pour violoncelle et piano, eh bien ça commence de la même manière par un thème un tout petit peu ironique, un tout petit peu hésitant. Je vous le joue. Mais maintenant, je voudrais vous montrer ce qui est pour moi le plus saisissant dans ce dernier mouvement, à savoir la transformation du thème principal que nous venons d'écouter au basson. Là, on pourrait dire que ce que nous venons d'entendre, c'est le caractère hésitant, dans le grave. Maintenant, nous le retrouvons par les violons, plus naïfs, plus candide. Troisième présentation du thème, cette fois-ci, c'est le hautbois. C'est Olivier qui est un peu plaintif, un peu géniard même. Alors peut-être que vous allez me dire, mais quel rapport avec le thème? C'est comme dans le premier mouvement. Vous vous souvenez, le thème est à l'envers. Nous avions, dans le grave, et je monte, là, nous avons dans l'aigu, et je descends. Ce qui fait que a comme pendant, comme inverse en quelque sorte. Et maintenant, le thème par les violoncelles et les contrebasses, sourd, inquiétant, mystérieux, menaçant. Et maintenant, par les bois de l'orchestre, véritablement ricanant. Thank you.
Ça, c'est une de mes présentations préférées. Vous avez remarqué l'aigu un peu strident des bois et puis les violons qui font en pizzicato une sorte de balalaïka sauvage. On le réécoute. Et maintenant, le thème triomphant, mais un triomphe à la Shostakovitch, un triomphe excessif qui finit par nous mettre mal à l'aise. Il ne reste plus qu'à faire entendre une dernière fois le thème le plus rapidement possible dans une sorte de poursuite et de nouveau, je pense, au jeune Shostakovich gagnant sa vie en improvisant, en accompagnant de son piano des films muets. Dans les films muets, il y a évidemment des poursuites. Donc j'imagine une de ces nombreuses poursuites de cinéma dont Shostakovich a le secret. Je ne sais pas qui poursuit qui, peut-être finalement les vents qui poursuivent les cordes de l'orchestre. Alors, avant d'écouter d'un bout à l'autre le dernier mouvement de la 9e symphonie, une grande question se pose. La 9e symphonie est donc écrite juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux théories possibles. Ou Shostakovich a vraiment fait exprès, dans un acte presque politique en quelque sorte, de ne pas célébrer la victoire. Au fond, il s'est dit plus de 20 millions de morts, le nazisme est terrassé, mais enfin, nous avons Staline, ce n'est pas tellement mieux comme régime. Donc, je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas chanter les louanges de Staline, je ne vais pas être bêtement triomphant, et voilà pourquoi, quand il y a du triomphe comme il n'y a pas longtemps, dans l'avant-dernière présentation de ce thème, il est mêlé d'angoisse. Et voilà pourquoi il y a cette ironie, et voilà pourquoi tout tourne court, et voilà pourquoi on a toujours ce côté sarcastique, grimaçant. Mais une autre théorie, c'est tout simplement de considérer qu'une œuvre a son autonomie. Elle n'est pas forcément une traduction d'un moment biographique ou d'un moment historique. Après tout, c'est la troisième des symphonies dites de guerre de Shostakovich, car pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrit la 7e, la 8e et la 9e symphonie. Et il a déjà exprimé tout cela dans ses grandes symphonies, beaucoup plus monumentales que sont la 7e et la 8e symphonie. La 9e symphonie, peut-être que c'était son univers à lui, cet univers tellement russe finalement, parce que ce côté satirique, ce côté parodique, ce côté grimaçant, c'est une grande tradition dans la littérature russe notamment, dans le cinéma aussi. Cette tradition de l'humour grinçant, burlesque, du mélange perpétuel du noble et du trivial, d'une manière toujours de se moquer de la tristesse par le rire et du rire par le désespoir, peut-être que c'est ça au fond qui caractérise une grande partie de l'univers de Shostakovich et qui le caractérise lui. Et dans ce cas-là, on dirait que cette symphonie n'est pas une symphonie sur la Seconde Guerre mondiale, mais une symphonie sur Shostakovich lui-même. En tout cas, vous avez bien, dans ce dernier mouvement, toute cette utilisation extraordinairement imagée, extraordinairement contrastée, qui va depuis l'hésitation encore un peu tremblante du début, jusqu'au côté plus plaintif par certains moments, et jusqu'à l'énergie, la joie, mais toujours une joie menaçante, inquiétante. Il n'y a pas de sentiment stable dans une symphonie de Shostakovich, mais il y a de l'humour, un humour dont on pourrait dire qu'il correspond au célèbre dicton « L'humour, c'est quand on rit quand même ». Nous écoutons maintenant le final de la 9e symphonie par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Thank you.
Thank you.